aujourd'hui un chapeau de Vianney, une chanson de Vianney qui s'appelle Je m'en vais. J'ai troqué mes clics et mes claques contre des cloques et des flaques. Mon sac à dos pour oublier qu'avant c'est toi qui me pesais. Ce qui m'emmène, ce qui m'entraîne, on m'appelle plus que ma haine. Oh ma route, oh ma peine, Dieu que je l'aime. Dans ma tête, les images du long métrage. Tu es belle et moi la bête, et la belle n'est jamais sage. Me dira que c'est ma faute, que je n'ai jamais su t'aimer. Au diable, toi et tes apôtres, je m'en vais. Jouer ce morceau à la manière de Vianney, nous allons utiliser trois accords. On commence avec un accord de sol mineur. À la main gauche, je vais jouer juste la note sol. Et à la main droite, mon accord. Bleu, violet rose, orange. Violet rose, c'est la touche noire qui est entre la touche violette et entre la touche rose. Si vous avez du doute sur les couleurs, n'hésitez pas à venir jeter un coup d'œil sur mon blog, je vous explique tout. Ensuite, nous avons un accord de mi bémol, c'est-à-dire à la main gauche la note qui est entre la gommette orange et la gommette jaune. Je la retrouve au pouce de ma main droite, la touche orange-jaune. Ensuite, j'aurai un sol, gommette bleue, et sur la touche violette-rose, un si bémol. Ensuite, je finis avec un accord de fa majeur. À la gommette verte à ma main gauche et à la main droite vert, violet, rouge. Pour finir, parce qu'un morceau pop a souvent 4 accords, je reviens sur mon accord initial, le sol mineur. Bleu à la main gauche et bleu, violet, rose, orange à la main droite. Vous l'avez sûrement entendu, c'est un accompagnement très lent. On va donc plaquer nos accords. Plaquer signifie que vont rester 4 temps appuyés sur nos touches. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors pour ceux qui souhaitent apprendre la mélodie, j'ai décidé de l'accompagner avec des accords à la main gauche. Alors, donc mon accord de sol, hop. Je le joue comme ça. Gommette bleue, le sol, mon si bémol sous le majeur et le ré sous mon pouce, la gommette orange. Ensuite, un accord de mi bémol, tchac. J'appuie sur le mi bémol, le majeur sur le sol, gommette bleue et mon si bémol entre la gommette violette et la gommette noire. Ensuite, un fa. Vert, violet, rouge, fa, la, do. Et je reviens sur mon sol. Attention, dans cette mélodie, il y a, on pourrait croire que c'est comme le couplet, que c'est toujours les mêmes accords, sauf que la première boucle, c'est bien sol, mi bémol, fa et sol. Mais la deuxième fois, ça commence pareil, nous avons notre sol, notre mi bémol, et à la place du fa, nous allons jouer un ré. Hop. Orange, vert, violet. Ré, fa, la. Et on revient sur notre accord de sol mineur. Donc, hop, on commence sur la note ré, orange. On descend sur un do, gommette rouge et un si bémol.
Ensuite, rouge, do, si bémol, orange, ré, et la note fa, vert. D'accord, depuis le début. Ensuite, pour la deuxième boucle, je vais descendre ma main pour que mon petit doigt arrive sur la gommette orange, sur le ré. Tout simplement pour éviter les mouvements qui ne servent à rien. Donc deuxième partie, une fois que j'ai décalé ma main, nous avons orange, rouge, si bémol, rouge, si bémol, bleu pour le sol. Ensuite, si bémol, la en violet, et attention, ça va aller un peu plus vite, la, si, la, sol, fa, sol. Je vous remontre ça au ralenti, juste la fin. À la fin, il suffit juste de passer l'index par-dessus le pouce et de revenir sur le pouce. Alors mon conseil pour ce morceau, vous avez peut-être pu constater si vous avez comparé mon piano voix du début avec ce que je vous ai montré au ralenti. Pour les refrains, donc quand Piané chante « Et tourne et tourne dans ma tête », moi, je ne fais plus des rondes, donc je n'attends plus 4 temps sur mon accord, je fais des noirs. Alors avant de partir, je voulais vous dire que j'étais très contente d'avoir partagé mon premier tuto avec vous. J'espère que vous avez aimé, et pour me le prouver, n'hésitez pas à cliquer sur « Like » juste en bas de la vidéo. Ne partez pas aussi avant d'avoir cliqué sur abonner, parce que vous allez recevoir comme ça toutes les semaines des nouveaux tutos pour pouvoir continuer d'apprendre. J'aimerais bien d'ailleurs avoir votre avis hein, pour savoir quels sont les morceaux que vous aimeriez bien apprendre. Moi j'écoute beaucoup de chansons modernes, mais bon voilà, des fois avoir d'autres idées ça permet qu'on puisse se connaître mutuellement.